Salutations mes petits amis lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture bilan du mois de mai et j'ai pas mal de petits trucs à vous présenter, des romans, des graphiques, bref, plein de choses et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors pour commencer le mois de mai, j'ai lu un euh, classique. Euh, qui n'est autre que La Vénus Dille de Mérimée. Je m'attendais pas à grand chose parce que euh, je connaissais de nom, parce que c'est hyper connu, enfin bref, c'est un grand classique, mais c'est des nouvelles, enfin il y en a deux là-dedans, donc il y a La Vénus Dille et la partie de Trick Track, si je ne me trompe pas dans le nom. Et j'avais un peu peur parce que je suis pas du tout dans le genre nouvelles, j'aime pas ça les nouvelles, moi ils me font un gros roman de plus de 400 pages pour m'immerger et être à fond dedans. Et surtout, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est classique parce que je me fais très vite... Euh... Je m'ennuie très vite pour ne, pas être... pour ne pas être vulgaire. Et pour le coup, j'ai été agréablement surprise parce que c'est bien écrit. C'est un peu euh, lourd parfois et un peu long. Mais au final, c'est très cool. Et c'est surtout genre les prémices du genre euh, fantastique. Et je trouve ça super cool. Genre, on ne sait pas si c'est vraiment fantastique ou pas. Il y a des petits... Des petits... C'est très français, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est cool. Les personnages sont bien travaillés malgré le fait que ce soit des nouvelles et donc que ce soit très court. J'ai pu détester euh, dans la première nouvelle qui traite d'un jeune homme qui va se marier et qui donne sa bague et malencontreusement à une, une statue qui donc euh, estime qu'elle est à lui maintenant. Enfin bref, le mari m'a clairement exaspérée. Et dans la deuxième nouvelle qui traite euh, d'un jeune homme pareil qui... Euh, qui triche lors d'une partie de Tric-Tac et qui gagne donc plein d'argent, mais qui se sent très très coupable, euh, Paris m'a exaspérée. <laughs> J'ai réussi à être exaspérée par des personnages en. Allez, il y a 96 pages, donc 50 pages par nouvelle, bref. C'était sympa, donc je vous recommande si vous voulez lire un peu plus de classiques et découvrir euh, le genre, on va dire, mais euh, c'est pas un énorme coup de cœur et euh, c'est pas euh, incroyable quoi. Ensuite, j'ai lu un petit manga qui n'est autre que l'atelier des sorciers, le tome 7, de Kamome Shirahama aux éditions Pika. Et incroyable, par contre, fantastique, juste euh, j'adore très, très 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 fort ce manga. Déjà, euh, je trouve les dessins incroyablement magnifiques. J'essaye de vous trouver une page sublime qui ne vous spoile pas. J'adore, ils sont trop beaux. Et, euh, et c'est une histoire superbe. Au début, j'avais un peu peur. Les trois premiers tomes, euh, je, vous... Enfin, je vous en ai sûrement déjà parlé, puisqu'on en a au tome 7, mais les trois premiers tomes, j'avais vraiment peur que ce soit genre une saga jeunesse classique, genre euh, mignonne mais sans plus, quoi. Et au final, ça prend un tournant que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. L'intrigue est euh, de plus en plus complète et de plus en plus complexe. Il y a vraiment euh, les personnages qui évoluent, leur mentalité qui évolue, leur volont... enfin, ce qu'ils veulent, leur but qui évolue. Et on en découvre de plus en plus aussi sur les personnages qui sont déjà adultes, donc euh, notamment Kieffrey, si je ne me trompe pas dans son nom, qui est juste mon personnage favori de la saga. Et homme oh, dans ce tome-là, on découvre tellement de trucs sur lui, ça me. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. C'était juste euh, trop cool. Bon, par contre, j'ai eu envie de le taper à la fin parce qu'il fait un truc hein. pareil vous n'êtes pas prêt. <laughs> Euh, dans ce tome-ci, il y a beaucoup moins. Euh, il, y a, il y a beaucoup Coco, mais il y a beaucoup moins ces, ces petites camarades dont j'ai oublié les noms. Je crois qu'il y a Triss, enfin bref, j'ai oublié les noms, donc je vais pas commencer à dire des trucs alors que j'ai oublié les noms. Euh, elles m'ont un peu manqué, j'avoue, parce que le, le, le quatuor. Oh, c'est compliqué le français aujourd'hui. Hein. Bref, le groupe des quatre filles ensemble, euh, je le trouve très dynamique, ils marchent très bien, elles ont chacune leur personnalité, et c'est euh, vraiment trop cool. Bref, je les aime beaucoup et euh, ce tome-là est encore incroyable. Le tome 8 est sorti, si je ne m'abuse, mercredi dernier. On n'est pas à l'abri d'un petit passage en librairie, incessamment, hein, sous peu. En tout cas, je vous recommande fortement cette saga. Ensuite, j'ai enchaîné encore avec un autre manga euh, qui n'est autre que The Ancient Magus Bride, le tome 4, de Korey Yamazaki aux éditions Komiku. Notez mon accent anglais sur 10. Encore une saga que j'aime beaucoup, avec des dessins pareils que j'apprécie fortement. Regardez-moi ça. Oh là là. Et, euh, et une histoire, tout aussi cool. Alors on n'est plus du tout dans le même délire, c'est un peu plus sombre, euh, je trouve, que euh, l'atelier des sorciers, mais c'est très cool. Dans ce tome-ci, on en apprend un peu plus sur lui, qui s'appelle Elias. Et, euh, et c'est très sympa parce qu'il est très très mystérieux et c'est vraiment genre un truc impressionnant, genre. En 4 tomes, on sait quasiment rien sur lui, à part son nom. Et là, on en découvre plus. En plus, ils sont au pays des dragons. Euh, elle est un peu toute seule, chisée. Euh, mais elle fait un travail sur elle-même. Elle fait des rencontres euh, incroyables. Et ça promet un tome 5 est riche en couleurs et en émotions. J'ai beaucoup aimé ce tome. Je pense que c'est mon préféré de la saga pour le moment. Et, euh, et voilà. Pareil, c'est une saga que je vous recommande fortement. On enchaîne encore avec un manga. J'ai lu euh, pas mal de mangas euh, de suite euh, ce mois-ci. Pareil, on change complètement de genre encore avec Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki, le troisième tome aux éditions Pika. Euh, là, on est dans du shonen pur et dur hein, action, humour, euh, des gros seins de temps en temps. Bref, tout ce qu'il faut. Et euh, sur ce tome, on en découvre un peu plus sur Ban, euh, qui est euh, ce monsieur-là. Et en gros, ils vont, euh, ils vont se retrouver avec Méliodas et Diane, et je trouve ça incroyable. Ban est pour le moment le personnage que je préfère. Il est extrêmement drôle, extrêmement euh, ironique, extrêmement second degré, extrêmement euh, j'en ai rien à foutre de la vie, et je trouve ça incroyable. Il euh, y a une raison pour laquelle il en a rien à foutre de la vie, mais je ne vais pas vous spoiler. Que dire d'autre sur Seven Deadly Sins Encore une fois c'est un combo qui marche, c'est plein d'humour, c'est plein d'action, on n'a pas le temps de souffler, euh, les pages elles, se tournent et c'est très cool. Les dessins sont sympas, mais c'est pas euh, du niveau non plus. Euh... Enfin, je les trouve moins, moins jolis que, euh, que ceux de The Ancient Magus Bride ou de l'atelier des sorciers. Mais c'est une saga que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire, et euh, j'avoue que ça fait du bien. Pour le moment aussi, c'est mon tome préféré. J'espère que ça va continuer comme ça. Et en fait, le problème avec Seven Deadly Sins, c'est que c'est vraiment rempli, rempli, rempli d'action et d'humour. Et j'ai très peur que ça s'essouffle parce qu'il y a quand même 41 tomes. Donc, à voir comment ça évolue. Pour le moment, j'aime beaucoup. On verra par la suite. Toujours dans le genre manga. Et dans un tout autre genre encore une fois, puisque là on est sur du manga historique, j'ai lu La Reine d'Égypte, le tome 4 et 5 de Shi Inudo aux éditions Kiyun. Alors, que dire de cette saga J'aime beaucoup cette saga parce qu'elle euh, raconte donc l'histoire de Chepsou qui est une... enfin euh, qui, qui veut devenir euh, reine d'Égypte, qui veut devenir pharaon très exactement pour euh, faire changer les mœurs de son pays qui est plutôt axé euh, guerre... Euh, conquête, etc. Et elle, elle voudrait plutôt genre euh, paix, euh, commerce. Comme ça. Et, et pour, pour, pour ça, elle, elle fait tout un... Enfin, elle essaye de voler le trône de son frère qui est aussi son mari. Enfin... <laughs> Bref. Et elle arrive plus ou moins à accéder au trône. Et donc là, on suit euh, bah, les, les nouvelles choses qui lui arrivent parce que euh, on, on pourrait se dire qu'une fois qu'elle a accédé au trône, c'est bon. C'est terminé. Euh... Elle va faire ce qu'elle veut de son royaume, et etc. Mais non, parce que ça reste une femme, ça reste une femme pharaon, chose qui n'était jamais arrivée dans toute l'histoire de l'Égypte. Et donc, il faut bien qu'elle qu assoie son autorité et puis qu'elle qu puisse régner sur son pays. Et on voit que c'est pas si simple que ça. J'aime beaucoup, beaucoup, euh, donc tout ce côté féministe, badass, femme forte, etc. Mais il y a quand même quelques petits points qui me gênent, notamment Psou, qui est, je trouve, très versatile, elle a des comportements que je comprends pas forcément, et euh, qui sont genre aux opposés total, et pareil, euh, quelque chose qui m'énerve, quand elle est pharaon, elle se sent obligée de s'habiller en homme, euh, parce qu'elle estime que si elle est pas habillée en homme, comme tous les autres pharaons, et que sa féminité ressort, elle aura pas de légitimité, et c'est quelque chose qui, qui m'énerve, genre, pour... enfin, ça part... Elle, elle part de « je suis une femme, et je peux régner, et je peux être forte », à... « Ouais, mais il faut que je le fasse en homme. » Je trouve que c'est un peu... Euh, je sais pas, ça se contredit un peu, et ça m'énerve. Pour moi, elle peut tout aussi bien assumer sa féminité et être euh, une putain de femme forte et badass euh, qui règne sur l'Égypte, en fait. Et c'est un truc qui me... Voilà, qui me perturbe. En plus, elle, elle s'éloigne des gens qui, qui comptent pour elle et euh, qui, qui sont là pour elle euh, pour des espèces de jeux de pouvoir. Enfin bref, il y a des trucs qui m'insupportent. Après, c'est... Euh, c'est pas complètement... Enfin... Le truc de s'habiller en homme, c'est illogique, mais le fait de s'éloigner des autres, c'est pas forcément complètement illogique dans sa tête, mais je la comprends pas. Autant au début, je l'adorais, etc., autant là, l'histoire est cool, les dessins, surtout les dessins de paysage, sont très sympas, mais elle m'énerve. Elle m'insupporte en, en ce moment, ça me. Voilà, ça m'énerve, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est une saga qui est très très cool, parce que si, ça m... si je l'aimais pas et si j'en avais rien à faire de la saga, le personnage principal ne m'énerverait pas suivant ses choix. Dernier manga, j'allais dire dernier manga, mais non, il y en aura un autre plus tard. Euh, autre manga du mois de mai, qui n'est autre que L'attaque des titans, le tome 5 de Hajime Isayama aux éditions Pika, un classique, je pense que tout le monde connaît L'attaque des titans. Là, je vais pas vous dire que les dessins sont magnifiques parce que j'apprécie pas les dessins d'attaque des titans. Euh, mais ça, je pense que vous le savez, j'aime pas les, les gros, gros, grands coups de crayon, voire rien, j'ai l'impression que c'est brouillon, enfin bref, ça me... Bof, pas plus que ça. Mais par contre, l'histoire est pépite, j'aime beaucoup. Euh, c'est très prenant. Au dernier tome, on avait laissé Liva... et eh, on a nos Levi, pas du tout. On avait laissé Eren dans un euh... dans un moment compliqué, et dans ce tome-ci, on suit donc le procès d'Eren, qui est plutôt cool. Je trouve que c'est une scène hyper intéressante, hyper enrichissante, et très bien me... très bien menée. Euh, également, on fait un petit flashback après euh, où il y a toutes les recrues qui décident de leur bataillon. Et donc, on découvre enfin euh, le bataillon d'exploration et un peu plus Levi, qui est un personnage dont tout le monde parle, en long, en large, en travière. Et moi, je le connaissais pas encore puisque je n'étais pas arrivée au, au moment où il apparaît. Euh, bon, pour le moment, je n'en sais pas, pas beaucoup sur lui, mais je, je l'apprécie un petit peu. J'ai hâte de voir comment ça, va comment ça va avancer, si on va en savoir plus sur Eren, sur, euh, sur tout l'univers, sur les titans, sur pourquoi ils sont là. Enfin, bref, c'est une saga très prenante, pleine d'action et bien sympa. Ensuite, tout autre registre, euh, j'ai lu Orgueil et Préjugés de Jane Austen euh, aux éditions Livre de Poche, là pour le coup, et c'est un classique, <laughs> notez ça, un classique dans mon bilan. Deux classiques, il y avait, le... il y avait la Vénus Deal, mais que se passe-t-il, que s'est-il passé sur le mois de mai euh, J'ai lu ce livre en lecture commune avec les filles du Crazy Book Trip Challenge, c'est un challenge sur Discord de lecture, je vous mettrai le lien. En barre d'infos, si ça vous intéresse, euh, c'est très sympa. On se, on se fight par équipe et tout, enfin bref, à coup de lecture. Et je trouve ça très très cool. L'ambiance est très sympa en plus. Bref, je vous mettrai ça en barre d'infos. Euh, que dire de orgueil et préjugé J'avais peur, encore une fois, parce que les classiques me font peur qu'on se le dise. J'avais peur que ça soit long, lent, chiant en somme. Et surtout que ça soit euh, une romance cucu. Parce que Orgueil et préjugés est une romance. Et j'avais très peur que ce soit genre... Euh... Bah, je... Pff, genre, euh... j'aime pas les romances, moi, de base. Donc euh... donc voilà, j'avais peur. Mais au final, j'ai été genre super surprise. C'était incroyable. C'est pas un coup de cœur, mais c'était incroyable. Je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu. Genre, je ne m'arrêtais pas. C'était euh, hyper cool. J'ai adoré noter ça, noter ça. J'ai adoré la romance, ok elle n'est elle pas du tout niaise, elle n'est pas du tout cucu. On sent qu'Elisabeth, genre, c'est une femme forte qui s'assume malgré l'époque et, et qui sait ce qu'elle veut et qui sait ce qu'elle veut pas. Et, et c'était, genre, c'était trop cool. Et Darcy, Darcy, il a beau être euh, orgueilleux euh, et j'en passe, euh, si jamais il passe dans la rue, moi, je, moi je dis pas non. Hein, euh, il est incroyable. <laughs> je l'aime beaucoup. Franchement, le duo, les deux ensemble, c'était... C'était incroyable, c'était... Je vais arrêter de répéter incroyable, c'est chiant pour vous, mais c'était vraiment très cool, très bien écrit, Jane Austen a l'écrit magnifiquement bien. Bref, c'est une super surprise, et je vous recommande ce classique si jamais vous voulez en commencer, les classiques, parce qu'il y en a qui sont plus durs que d'autres. Genre, par exemple, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lu le portrait de Dorian Gray, et c'était beaucoup moins simple que celui-là, qui est vraiment, vraiment bien. Il y a un film qui a été fait aussi, euh, si jamais ça vous intéresse. Moi, je suis pas trop euh, cinéma... Audiovisuel, tout ça, euh, je, je, je préfère les livres. Mais <laughs> après, c'est chacun ses délires. Ensuite, là, je ne l'ai pas en papier, je l'ai en liseuse. Oh oui, d'ailleurs, il y a un petit, euh, un petit sticker sur ma liseuse qui a été euh, dessiné par Lilène du compte Lilène Fantasy sur euh, Instagram. Je crois que c'est ça, son, son pseudo. Bref, sur Etsy aussi, et elle a une boutique où elle fait des illustrations incroyables. Je vous conseille aussi d'aller voir. Parce qu'elle est extrêmement douée et que tout est magnifique. C'est tout ce que j'allais dire. Euh, donc, j'ai lu La vieille fille et le viking, le premier tome, Le voyageur extraordinaire, de Jennifer Joffre aux éditions Reliqua. C'est genre euh, les éditions qui me l'ont envoyé. Une nouvelle maison d'édition, c'est leur premier livre. Et c'était super. Pour le coup, là, véritable coup de cœur. J'avais un peu peur aussi. En fait, je n'avais pas lu le résumé, je ne voulais pas me spoiler. Euh, je voulais vraiment découvrir le livre de A à Z. Et euh, tout ce que je savais, c'est que c'était ce un roman jeunesse. Et euh, autant à un moment je lisais beaucoup de jeunesse, autant maintenant j'ai un peu de mal. Mais il faut que ce soit bien écrit en fait. Il y, a des, il, y a des, il y a des livres qui font vraiment très très jeunesse et ça commence à me déranger un peu euh, puisque mes goûts en lecture euh, évoluent. Et là pour le coup, celui-là, il est vraiment vraiment très bien écrit. Euh, on sent que c'est jeunesse, mais euh, franchement, vous pouvez tous le lire. Et euh, il est très intéressant. Donc, on suit euh, une jeune demoiselle qui travaille à la faculté de Caen, si je ne m'abuse, qui euh, assiste par hasard à une... Euh, elle vit en 1826, si je ne me trompe pas. Donc, euh, ça date. Euh, elle assiste par, euh, par mégarde à une expérience qui ouvre une brèche dans le temps. Et elle ne trouve rien de mieux à faire que de sauver la, sauver la vie d'un Viking et le ramener dans sa période à elle. Donc là, ça part mal. Genre euh... un Viking en 1826 euh... sauvé par une femme. Enfin bref, euh... normal quoi. Après c'est un 1826 un peu spécial quand même. Hein. C'est un 1826 euh, style steampunk. Il y a des bateaux qui volent, euh, etc. Enfin c'est un 1826 particulier. Hein. Et en fait, le décalage entre euh, le viking et sa manière de vivre et euh, la, la manière de vivre en 1826 euh, du livre, etc. Enfin bref, ils vont vivre tout un tas d'aventures parce que bah, bien évidemment, les scientifiques, eux, euh, ils veulent se servir en gros du viking pour, euh, pour possiblement euh, créer une arme. Et euh, elle, elle veut pas, enfin elle veut juste qu'il vive sa vie, le pauvre petit <laughs> Et pour le coup, il euh, n'y a pas de romance. Voilà, on pourrait avoir peur avec le titre, avec la vieille fille et le viking. J'avais très peur que ça soit genre euh, elle lui sauve la vie et puis c'est et puis machin. Et en fait, il a pas un poil de romance. Genre zéro. C'est que des femmes badass. On a donc euh, la vieille fille là, qui est une savante et qui est, qui est putain d'intelligente et qui c'est beaucoup trop cool. On a une mécanicienne, mais alors badass, à un point. Elle arrive, elle te défonce la gueule des mecs qui sont un peu trop entreprenants ou quoi que ce soit. Elle se bat si bien, c'est fou. On a euh, un général, non c'est pas un général, il n'est pas général, un, un mec de l'armée qui décide de, de fuir parce qu'il ne veut rien avoir à faire avec, euh, avec euh, ce qu'est devenu l'armée. Et on a donc notre viking euh, qui, est, euh, qui est un peu perdu mais qui euh, veut juste s'améliorer et, euh, et, les... et aider au mieux ceux qui l'ont aidé. Et euh, s'ensuit une aventure genre euh, incroyable. On part de, de donc de Caen, on arrive en Islande si je ne m'abuse. Irlande, Islande, Islande, en Islande. Et il euh, y a des descriptions de paysages fantastiques. On a l'impression d'y être. C'est très bien écrit, c'est prenant et c'est vraiment de l'action du steampunk, des voyages dans le temps, enfin bref, on est vraiment centré sur l'intrigue qui est très très immersive et pas sur euh, des pseudo-romances ou je ne sais quoi. Les relations entre, le entre les personnages sont très sympas, les personnages évoluent, leur mentalité change, il y a des... des retournements de situation, des découvertes et tout, enfin bref. Et ça se termine pas en cliffhanger, c'est-à-dire que c'est un premier tome, mais euh, je n'étais pas en train de mourir à la fin de ma lecture, en train de me dire mon dieu quand sort le deuxième tome. J'ai très hâte de lire le deuxième tome. C'est clair, net et précis parce que c'est une histoire qui vraiment, ça a été un coup de cœur pour moi. Mais je peux survivre. Ce qui n'est pas le cas de tous les livres. Bref, je vous recommande très, très fortement cette histoire. J'ai enchaîné ensuite avec un autre service presse qui m'a été envoyé, cette fois-ci par Alan Alfredo. Je t'ai... Et c'est donc son deuxième livre, enfin le deuxième livre que je reçois de lui, je crois que c'est son troisième, qui s'appelle Il était une fois Wanda, qui est auto-édité donc aux éditions Genet. Euh, C'était sympa, c'est très court comme vous pouvez le voir. Ici on suit donc Wanda qui fuit la Russie à la chute du tsar et qui arrive en France avec le rêve de devenir peintre. Et on voit un peu genre son évolution, comment elle passe de euh, femme modèle euh, d'un riche russe à euh, peintre complètement euh, dans l'abus, dans, dans la vie, dans le, dans le je-fais, je-vis, et peu importe les conséquences. Je trouve ça très intéressant, les descriptions sont, sont très jolies, c'est très joliment dit, on retrouve des, on retrouve des, des auteurs et peintres français de l'époque dans l'histoire, et je trouve ça très, très intéressant aussi. J'ai moins aimé que son autre livre, qui, est, euh, qui était La légende de la rue ouverte, d'ailleurs il doit être par là, oui, il est là-bas, qui pour le coup m'avait beaucoup plus plu, mais c'était sur, euh, sur la guerre, et euh, j'avoue que la guerre est un sujet, un sujet que j'apprécie énormément dans les livres, mais ça, ça en reste une lecture très sympa, très courte, et que je vous recommande. Ensuite. Euh, J'ai lu le... Les Royaumes du Nord, euh, donc c'est le premier tome d'A la Croisée des Mondes de Philippe Pullman aux éditions Folio Junior, donc c'est Gallimard Jeunesse. Et là, pour le coup, encore un coup de cœur, <laughs> je vous dis, j'aime plus trop la jeunesse et les deux coups de cœur que je vous, que je vous présente, c'est des livres jeunesse, mais incroyable. J'ai lu ce livre en lecture commune. Sur euh, mon Discord qui s'appelle le Bistrot de la LC, je vous mettrai pareil le lien en bio. On fait trois lectures communes par mois, globalement, et c'est vous qui décidez, c'est vous qui proposez les livres, et c'est vous qui votez pour les livres que vous voulez lire. Euh, vous êtes les maîtres du jeu sur le Discord. Moi, je m'occupe juste de découper et de lire euh, ce que vous avez choisi. Et pour le coup, euh, c'est euh, Fred du compte Extasia88, si je ne me trompe pas, mais pareil, je vous mettrai en barre d'infos. Qui a proposé euh, à la Croisée des Mondes, qui a fait un, un all-in dans le vote. Tout le monde a dit oui, allons-y. Et incroyable. <laughs> je... faudrait compter euh, combien de fois j'ai dit incroyable durant ce live, mais incroyable, d'accord. <laughs> c'est euh, hyper connu. Hein, je pense que tout le monde connaît à la Croisée des Mondes. Il y a une série d'ailleurs sur euh, sur je ne sais plus, je ne sais plus quelle plateforme. Je crois que c'est celle qui fait euh, Game of Thrones. Bref. Qui s'appelle... S... Non, c'est un nom en anglais, je vais pas le faire de tête. Hein. Euh... Et donc, j'avais envie de lire cette saga parce que j'avais envie de regarder la OCS. Merci, Stéphie. Je crois que c'est ça. Et, euh... Et donc, j'avais envie de découvrir cette saga parce que tout le monde en parle. C'est genre un, un must-have de la littérature jeunesse. C'est un peu genre... Euh... Genre hyper classique, dans son genre, en fait. Et... Waouh L'écriture de Pullman déjà, juste lisez Pullman, juste juste pour son écriture, elle est si belle, si complète, si poétique. Euh, c'est simple mais complexe, c'est prenant. Les pages, elles se tournent mais toutes seules. Et puis cette histoire quoi, les personnages, Lira, euh, Yorek, Yorek c'est un ours en armure qui est, j'allais dire incroyable, je vous jure, je me retiens, qui est fantastique. Il est fort, t'as envie, de... j'ai envie d'avoir un ours en armure. Donnez-moi un ours en armure s'il vous plaît. Et, 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 et l'intrigue aussi, l'intrigue est très complexe pour un livre jeunesse. Je m'y attendais absolument pas. Il euh, y a plein de choses, il y a la poussière, il y a différents mondes. C'est vraiment, vraiment un coup de cœur. Pour le coup, c'est quelque chose que je vous recommande, mais à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes, à tout le monde. C'est absolument, lisez ce livre. Il y a eu un film aussi à une époque, effectivement, mais que je n'ai pas vu. Et apparemment, les gens dans le chat estiment que ce n'est pas ouf, ouf. <laughs> Mais le livre est incroyable, euh... fascinant. C'est un chef-d'œuvre, je... j'ai rien à dire de plus. Actuellement, on est en train de lire le tome 2, toujours en lecture commune sur le bistrot de la LC, euh... et c'est tout aussi incroyable. Mais je vous en dis pas plus parce qu'il sera bien évidemment dans ma lecture bilan du mois de juin. Mais là, lisez ce livre, c'est un livre pépite, tout est génial. Dedans. Ah, on va descendre un peu de niveau. <laughs> parce que là, je vous ai présenté euh, à la suite de, quasi, quasiment la suite de deux Magnifiques Coup de Cœur. Et puis après j'ai lu Les saisons de la tempête de El Cosimano aux éditions de Saxus. Alors vous connaissez mon amour pour les éditions de Saxus, déjà juste parce qu'ils font des livres d'une beauté, euh, beauté euh, incomparable. Regardez-moi ce travail. Je suis complètement fan. Sauf que. Eh ben, j'ai été déçue. Première fois. Premier livre de De Saxus qui me déçoit. Mais alors, il m'a bien déçue. Hein. C'est pas, pas genre. Euh, c'était bof par rapport aux autres. C'est genre là, c'était. Bah, c'était pas ouf quoi. Hein. L'écriture est très brouillonne. On ne comprend pas grand chose à ce qui se passe. Tout va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Euh, des fois j'étais là en mode mais attends mais stop il s'est passé quoi j'ai loupé un chapitre il me manque un chapitre ah bah non il me manquait pas de chapitre c'était comme ça ça va beaucoup beaucoup trop vite euh, tout s'enchaîne mais euh, tu te dis stop à un moment donné je sais pas mets un contexte mets des descriptions euh, qu'on soit un peu immergé les personnages j'ai pas réussi à me les visualiser à part euh, j'ai oublié déjà comment elle s'appelle pour vous dire qu'elle m'a marqué fleur la printemps qui a les cheveux roses, c'est tout ce que j'ai retenu. Ce qui me déçoit, c'est que le livre avait un potentiel incroyable. En gros, le principe de l'histoire, c'est que euh, les saisons sont personnifiées. Il y a une saison par région en gros. En fait, elles sont personnifiées, c'est des êtres humains. Et à chaque fin de saison, eh ben, euh, le printemps doit aller tuer euh, l'hiver, euh, et, et ainsi de suite, quoi. Euh, L'été vient tuer le printemps, enfin bref. Et quand ils sont morts, ils retournent dans leur, 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 leur espace d'école pour, pour saison qui s'appelle l'observatoire. Bref, ils ont des pouvoirs pour euh, faire qu'il neige, qu'il fasse beau, que machin. Enfin bref. Et en gros, il y a euh, un hiver qui tombe amoureux d'une printemps et qui décide de s'enfuir. Et en fait, ils découvrent que euh, en gros, ils n'ont pas besoin de se tuer. Ils n'ont pas besoin de l'observatoire pour survivre, mais ils peuvent survivre à quatre saisons. Ils sont même plus forts ensemble. Euh, qu'il n'y a pas besoin qu'ils s'entretuent, etc. Et donc s'ensuit toute, euh, toute une toute une aventure. Sauf que c'était euh, pas bien réalisé. L'histoire a un potentiel de ouf, euh, mais l'histoire n'est pas bien réalisée. D'ailleurs, euh, j'ai oublié de vous dire, mais les, euh, les saisons sont gérées par euh, Gaia et Chronos, qui ceux qui gèrent l'observatoire en fait. Et euh... Non, vraiment. La première partie, vraiment pas ouf. La deuxième, ça allait un peu mieux. La troisième, encore un peu mieux. Donc la troisième partie du livre est ma préférée. Mais vraiment, je vous, je vous conseille pas, parce qu'il est pas... Il est il est pas... Franchement, il est pas ouf. <laughs> Mais ça n'empêche que moi, je me procurais la suite parce qu'il y a un deuxième tome et que je suis intriguée de ce qu'il peut y avoir dans ce deuxième tome, étant donné comment le premier se termine. À la fin, il y a une espèce de plot de twist euh, incroyable. Mais alors, je l'avais pas vu venir, pour le coup. Et... Je me demande comment elle peut rédiger une suite, euh, l'autrice, étant donné ce qu'elle nous a fait à la fin du, du 2, c'est pour ça. Puis en plus, euh, encore une fois, euh, c'est magnifique, c'est très beau dans ma bibliothèque, donc ça me ferait plaisir d'avoir le 2. <laughs> Toujours euh, en lecture commune sur le bistrot de la LC, on a enchaîné avec un autre de Saxus, Le royaume assassiné d'Alexandra Christo. On avait peur après notre. Euh, Déception, parce que globalement tout le monde était d'accord. Après notre déception des saisons de la tempête. Eh bien, ça a relevé le niveau. Voilà, ça c'est du de Saxus. Ça oui. Là, là je dis oui. Donc encore une fois, hein, est-ce qu'on parle de la beauté de l'objet livre Il y a même des illustrations à l'intérieur du livre, je vous en cherche une. Bien évidemment, je vais trouver toutes les pages sauf celles avec les illustrations. Toujours ça. Résultat, je vais raconter n'importe quoi pour meubler. Mais c'est pas possible ça, il y a des illustrations partout, pourquoi j'en trouve pas Ah, c'est bon. Voilà, enfin bref, et sur les débuts de chapitre, très bien, c'est l'autre côté, sur les débuts de chapitre, il y a des. Euh, fin des tentacules et tout, enfin bref. L'objet livre est magnifique. Et pour le coup, oui, je dis oui à l'histoire <laughs> Je dis oui C'est une réécriture euh, de, du célèbre conte de la petite sirène. Qui est euh, beaucoup plus dark hein, que la petite sirène. On suit Lyra, qui est une sirène, donc, qui arrache le cœur des princes à chacun de ses anniversaires afin de gagner en pouvoir. Et parallèlement à ça, on suit Eliane, qui est un prince, prince d'un royaume, mais qui ne veut pas être prince, qui veut être euh, corsaire, qui veut être pirate, et qui chasse les, sor les sorcières, bien évidemment, les sirènes. Voilà, donc vous imaginez un peu là le ce qui va se passer, n'est-ce pas, et Lyra, ce qui se passe, c'est que c'est la fille de la reine des sirènes, qui est très méchante, qui veut buter tous les humains, globalement, sauf que, bah, euh, Lyra elle aime pas trop sa mère, donc euh, ce qui fait qu'elle se retrouve malheureusement, enfin, ou heureusement, à devenir une humaine, et elle pourra redevenir sirène uniquement si elle arrive à choper le cœur d'Eliane, euh, dans, dans une forme humaine, pas avec ses pouvoirs de sirène, quoi. Et donc les deux se rencontrent et ils vivent toute une aventure parce que lui, Eliane, il veut partir à la recherche de quelque chose qui pourra tuer la reine des sirènes et donc laisser euh, naviguer tous les humains en paix. C'est très cool, franchement, l'intrigue est très sympa. Il y a plein de personnages, il n'y a pas que les deux là. Euh, il y a plein de personnages secondaires qui sont très très cool. J'aime beaucoup les romans qui sont euh, en roman choral comme ça, avec différents points de vue. C'est quelque chose que j'apprécie. J'aime bien suivre euh, le point de vue des, de, de plusieurs personnages en fait. Et, euh, et la romance, euh, elle est présente, hein, puisque c'est une réécriture de la petite sirène et que vous vous, vous doutez bien qu'une sirène, un prince, voilà, mais elle n'est pas du tout euh, trop rapide et elle n'arrive pas comme un feu sur la soupe en mode euh, on s'est rencontrés, on s'aime, non, il y a vraiment euh, tout un cheminement, ils, ils apprennent à se connaître, etc. Enfin, c'est vraiment très bien écrit, j'ai beaucoup aimé, l'objet-livre est magnifique, c'est une très belle réécriture et je suis contente. Ça me réconcilie avec De Saxus, c'est vraiment, vraiment cool. Je, je vous le conseille. Très très sympa. Puis moi, les pirates, euh, j'avoue, ça me fait craquer un peu. Pour continuer dans ma lancée des bonnes lectures, j'ai lu le troisième tome de La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Donc là, c'est La Mémoire de Babel, aux éditions Gallimard Jeunesse. Et encore une fois, incroyable c'est un livre. Euh, au début, je ne comprenais pas l'engouement autour de cette, euh, de cette saga. Parce que le premier tome, je l'avais bien aimé, mais je trouvais pas ça incroyable. Déjà, le deuxième tome, j'avais eu un coup de cœur. Et là, le troisième, pareil. Là, on retrouve Ophélie, qui est sans torne, parce qu'il a disparu, qui est toute seule euh, à Babel et qui doit se débrouiller et, et, et évoluer, etc. Et c'est et juste trop cool. L'univers qu'a créé Christelle Dabos est super. Il est complet. On a tous les arches. C'est. C'est fou, c'est vraiment euh, tout un univers très bien mené, et ça, c'est un truc que j'adore. Quand vraiment je suis dans l'univers et qu'il est complet, je, je sais pas. Je, 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 je suis bien. Là, je suis bien. Donc, autant au début, je comprenais pas trop l'engouement, autant là, euh, j'aime beaucoup, beaucoup plus. Après, euh, euh, voilà, j'aime beaucoup, mais c'est pas non plus. Enfin, euh, je veux dire, c'est pas genre Harry Potter, vous voyez. Harry Potter restera au-dessus. On l'a beaucoup comparé à Harry Potter, mais pour moi, Harry Potter restera au-dessus. Après, c'est peut-être. Euh, peut-être un... peut parce que c'est Harry Potter, je ne sais pas. Bref, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce livre. Et puis la relation Ophélie-Thorne, c'est la meilleure relation du monde. Moi, je veux une relation comme ça. Ils sont incroyables, les deux ensemble. Ils sont, ils sont beaucoup trop cool. Bref, j'aime beaucoup l'écriture, l'univers, les personnages, l'histoire d'amour. Que demander de plus une très, une très bonne saga. Et enfin, pour terminer, enfin, parce que vous devez en avoir marre, gentiment, euh, le mois de mai, j'ai lu Moriarty, le troisième tome de Ryosuke Takeshi aux éditions Kana, Dark Kana plus précisément. Et j'ai compris pourquoi c'était aux éditions Dark Kana dans ce tome. Parce que déjà, de base, Moriarty, c'est un peu violent. Et bah, celui-là, oulala, c'est le seul euh, point négatif que j'aurais à lui. Je m'excuse. Que j'aurais à lui. Que j'aurais à, euh, à lui reprocher, c'est que euh, en gros, bah, euh, c'était vraiment violent. Il y a même des fois où j'ai fermé les yeux devant mon manga. Mais sinon, c'est incroyable. J'aime beaucoup les personnages et j'adore l'univers de Sherlock Holmes. Et là, il y a vraiment une dynamique qui se crée entre Sherlock et Moriarty qui promet d'être super intéressante et j'ai très, 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 très hâte. Et puis, euh, les, le format enquête avec les différentes petites enquêtes, que ce soit celle de Sherlock ou de Moriarty. C'est vraiment très cool et le personnage de Moriarty est incroyable. On ne, je l'adore, mais en même temps je sais que je devrais pas parce qu'il fait des choses très mal, mais pour un but très bien. Enfin bref, il me met dans un état. Je ne comprends pas. C'est une saga de manga que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais lu sur ce mois de. De mai. Maintenant, comme d'habitude, je vais vous dire euh, un livre. Si je devais vous recommander un seul livre sur le mois de, de mai, lequel ça serait Eh bien, je pense que ce serait La vieille fille et le viking qui sort le 25 juin, si je ne m'abuse, aux éditions Rolika. Oui, c'est ça, le 25 juin, il y a écrit. C'est vraiment un livre que je vous conseille. Euh, déjà, c'est une nouvelle maison d'édition, donc ça serait bien qu'ils aient des de l'aide pour se lancer, mais en même temps, bah, c'est une bonne maison d'édition, du moins ce premier livre, et c'est un très bon choix, et il est très très bon. Donc voilà. J'ai enfin fini de parler. Si vous voulez dire des choses maintenant, vous pouvez. Allez-y. Le chat est à vous. C'est bon, vous n'avez rien à dire. Écoute, j'ai été plutôt claire. Apparemment, tout le monde a très bien compris ce que j'ai dit. Oh merci. Je ne sais pas comment tu fais pour tout se souvenir de tout. Alors, je vais vous donner mon petit tips. Enfin, je, je triche un peu quand je prépare mes lives, c'est-à-dire que euh, quand je termine mon livre. Euh, bah je prends la photo et je le chronique et donc quand il y a des livres qui m'ont pas forcément marqué et que je me rappelle pas forcément de tout ce qu'il qu y avait dedans et de tout ce qui s'est passé et bah je vais relire mes chroniques <laughs> c'est aussi simple que ça, je, je fais des antisèches avant, je, je relis en mode ah oui c'est vrai, c'est vrai qu'il s'est passé ça mais généralement, euh, comme c'est des trucs que j'ai lu il y a pas trop trop longtemps, je me rappelle un peu de, de ce qui s'est passé, mais bon c'est vrai qu'il y a des fois des livres qui ne me marquent absolument pas alors non, Matou, tu ne parles pas dans le, le vide depuis tout à l'heure. Mais euh, je vous lis, j'ai d'un œil, mais je ne, je ne vous réponds pas puisque je parle. C'est vous qui m'écoutez. À un moment donné, c'est moi la star ici, OK Je t'ai vu, je vu dire que, euh, que tu n'avais pas apprécié les deuxième et troisième tomes de À la croisée des mondes, que tu avais bien aimé le premier mais pas la suite, et que tu ne comprenais pas l'engouement autour de la passe miroir. Et donc concernant la croisée des mondes et eh ben, tu, tu en sauras plus le mois prochain, puisqu'il y aura le, le prochain tome dedans. Et concernant euh, la passe miroir, je suis d'accord avec toi pour le premier tome, mais je trouve que les, les tomes suivants rehaussent le, <laughs> rehaussent le, le niveau. Et oui, c'est ça. Mon œil qui partait sur le côté, c'est parce que je, je voyais vos notifications comme ça. Si vous n'avez euh, pas d'autres questions, interrogations ou remarques à faire. Ah, un prompteur Ah, bah non, 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 je n'ai pas de prompteur. Je n'écris pas, pas mes textes euh, à l'avance. Sinon, je pense que ça serait beaucoup mieux maîtrisé. <laughs> je peux parler pendant une durée indéterminée sans avoir à boire. C'est un super pouvoir. Mais euh, d'accord, merci. <laughs> Et bien, je vous dis merci d'avoir regardé euh, la vidéo. Merci d'avoir. Euh, réagi d'avoir euh, interagi avec moi ça me fait très plaisir vous pouvez me suivre euh, sur Facebook sur Instagram sur le blog ici même sur YouTube le prochain live ça sera le mois prochain premier dimanche du mois même heure même chaîne j'espère que vous serez au rendez-vous et puis euh, puis voilà je vous dis bye